Bonjour à tous. Pour rejoindre et s'abonner mensuellement sans contrainte de temps à mes documentaires exclusifs, allez sur ma page de chaîne ou sous la vidéo que vous êtes en train de regarder et cliquez sur « Rejoindre ». Ensuite, vous verrez apparaître cette fenêtre qu'il faut remplir. L'hélicoptère vient tout juste de s'écraser. L'étendue des flammes laisse présager l'ampleur des dégâts. Il ne reste plus rien de l'appareil. À son bord se trouvait le ministre ukrainien de l'Intérieur, décédé dans l'accident. Le crash a eu lieu ce mercredi matin, aux abords d'une école maternelle, alors que des enfants et des employés se trouvaient sur place. Au moins 16 personnes sont mortes, 2 enfants font partie des victimes. Le drame a fait 22 blessés au total, dont 10 enfants, à Brovary, une ville de 100 000 habitants, tout proche de Kiev. Denis Monastirsky, 42 ans, ministre de l'Intérieur depuis un an et demi et le plus haut responsable ukrainien à être décédé depuis le début de la guerre avec la Russie. Son premier adjoint ainsi qu'un autre haut responsable du ministère ont également été tués dans le crash. La présidence ukrainienne affirme que le ministre de l'Intérieur se rendait sur le front lorsque son hélicoptère s'est écrasé. Il est pour l'heure encore impossible de déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'une attaque. Cet immeuble de Dnipro a été frappé par un missile russe samedi. L'opération de recherche d'éventuels survivants est terminée. 45 personnes sont mortes, dont un enfant. Au moins 19 personnes sont toujours portées disparues, 79 sont blessées. Dans cet appartement vivait toute une famille. La mère, Katerina, a pu être récupérée et emmenée à l'hôpital. Son fils de 11 mois et son mari n'ont pas été retrouvés. Dans un inhabituel signe d'empathie avec l'Ukraine ou de communication, un mémorial de fortune est apparu à Moscou pour commémorer les victimes de ce missile russe. Des fleurs et des jouets ont été déposés au pied d'un monument à la mémoire d'un écrivain ukrainien avec une photo de l'immeuble détruit. Le Kremlin a démenti avoir visé le bâtiment. À 2500 km de Dnipro à Bruxelles, les discussions se poursuivent. Les ministres européens de l'économie et des finances se sont réunis mardi pour discuter de l'impact économique de la guerre en Ukraine. Les députés européens débattent de la création d'un tribunal spécial chargé de poursuivre la Russie pour son agression contre l'Ukraine. Une résolution sera soumise au vote jeudi. Sur le champ de bataille, bientôt de nouvelles munitions. Près de 300 000 obus d'artillerie, un renfort côté ukrainien envoyé par les États-Unis. Selon des révélations du New York Times, ces armes proviennent d'un stock d'armes situé en Israël, un stock qui remonte à 1973. Durant la guerre de Kippour, le Pentagone avait fourni ses armes aux forces israéliennes. Des installations de stockage ont été mises en place dans l'État hébreu en cas de crise potentielle. Une aide militaire approuvée par l'ancien gouvernement dans le but de temporiser les États-Unis ainsi que l'Ukraine. Une livraison de 15 000 munitions devrait bientôt arriver via la Pologne. Une seconde suivra le même itinéraire. Une aide pour Kiev qui s'ajoutera à celle d'Amsterdam. Aujourd'hui, nous avons reçu des nouvelles très importantes du Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. Cette nouvelle est en fait une continuation de nos récentes négociations avec lui. Une autre batterie Patriot sera fournie à l'Ukraine. Merci Mark. C'est-à-dire que nous avons déjà 3 batteries garanties. Mais ce n'est qu'un début. Nous travaillons sur de nouvelles solutions pour renforcer notre défense aérienne. Sur le terrain, les pertes sont de plus en plus nombreuses, notamment à Dnipro. 45 morts, dont 6 enfants, sont à déplorer suite au bombardement russe qui a détruit un immeuble d'habitation ce samedi. Vladimir Poutine le dit à l'issue d'une conversation téléphonique avec le président turc Recep Erdogan, ça date d'il y a tout juste quelques minutes. Il a critiqué, je cite, « la ligne destructrice adoptée par le régime de Kiev qui a misé sur l'intensification des combats avec le soutien des parrains occidentaux, lesquels parrains occidentaux augmentent leur livraison d'armes et de matériel
militaire. Voilà donc Vladimir Poutine qui réagit au fait que, notamment, la Grande-Bretagne va livrer des armes lourdes. C'est vrai que ça fait des semaines et des semaines qu'ils les réclament, ces Ukrainiens, ces armes lourdes, des chars qui sont capables de mener directement le combat sur les lignes de front. Ils ont, a priori, enfin été entendus, en tout cas donc par les Britanniques, qui vont leur livrer de l'un de leurs plus gros blindés, en l'occurrence le Challenger 2. Elon Musk face au juge, le patron de Tesla comparaît depuis hier pour fraude. L'homme d'affaires est poursuivi pour un tweet publié en 2018. Il affirmait avoir les fonds nécessaires pour sortir Tesla de la bourse. On retrouve le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Alexis Guilleux. Alexis, les investisseurs et les actionnaires reprochent à Elon Musk de les avoir manipulés. Oui, parce qu'à la suite de ce tweet, l'action Tesla a bondi avant de s'écrouler quelques jours plus tard à l'annonce de l'échec de ce rachat. Le groupe d'investisseurs accuse le milliardaire d'avoir artificiellement affecté le cours de Tesla et d'autres titres boursiers. Elon Musk et ses avocats devront donc prouver qu'il existait bien un plan financé pour privatiser l'entreprise automobile et que le tweet du patron n'était ni faux ni trompeur pour les actionnaires. Dans cette même affaire, Elon Musk a déjà été condamné par le gendarme boursier américain, une amende de 20 millions de dollars et son départ de la présidence du conseil d'administration de Tesla. Ce procès au civil est censé durer 3 semaines. Il a débuté hier avec la sélection du jury et jusqu'au dernier moment, Elon Musk a tenté de faire délocaliser l'audience au Texas. Selon le milliardaire, les jurés choisis dans la région de San Francisco ne pourront pas être impartiaux à cause de la couverture médiatique du récent rachat de Twitter et les milliers de licenciements qui ont suivi. Les Américains, gendarmes économiques du monde. Washington dispose de 70 programmes de sanctions qui touchent plus ou moins 10 000 entreprises, secteurs et personnes dans le monde. Et pourtant, selon mon invité, cette politique ne marche pas. Bonjour Agathe Demaret. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, le titre, c'est un choix, hein, très, très clair. Backfire, ça veut dire retour de flamme. Mm-hmm. Donc ça signifie que ça ne marche pas tellement, quoi. Alors en fait, ce que ça signifie, l'idée du livre, c'est bien ça, c'est que les sanctions sont un outil important pour les diplomaties occidentales, parce qu'en fait, elles comblent le vide entre, d'un côté, les déclarations diplomatiques qui sont parfaitement inefficaces. Hein, mm-hmm. Si on dit à Vladimir Poutine aujourd'hui, il faut partir d'Ukraine, je ne pense pas que ça va l'impressionner beaucoup. Et le coup est très fort. Vous racontez dans votre livre les premières sanctions contre l'Irak après 1991, qui ont fait, et ça c'est la célèbre phrase de Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État, plus de 500 000 morts du côté des enfants irakiens. Et ça, les Américains n'en ont pas eu conscience à cette époque-là et ont accepté ça ? Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un manque de connaissance sur les effets secondaires des sanctions. L'idée n'est pas de dire les sanctions c'est bien ou c'est mal, l'idée est de dire que les sanctions ont des effets secondaires et qu'il faut vraiment en tenir compte. Et effectivement, à l'époque, ces sanctions avaient eu un impact extrêmement important, en fait. Mmh. On parle vraiment de vies humaines, là, en Irak. Aujourd'hui, les sanctions sont financières, c'est-à-dire qu'elles ciblent les flux financiers, elles sont normalement mieux ciblées, mais elles ont également des effets secondaires, et c'est vraiment toute l'idée du livre. Quels sont les effets secondaires des sanctions américaines, notamment secondaires, extraterritoriales, sur le lien transatlantique, sur les marchés de matières premières, et également sur la population des pays visés. Concrètement, Irak, Cuba, une plus vieille sanction, l'Iran et d'autres, ça n'a pas marché, on est d'accord. Non, ça n'a absolument pas marché, et c'est ce qui est intéressant en fait de constater, c'est que si on place contre Cuba depuis plus de 60 ans, depuis 1960, ça n'a absolument pas marché. Extraterritorialité du droit américain, donc dégâts collatéraux des sanctions qui peuvent peser sur les alliés des États-Unis eux-mêmes dans ce qu'on appelle les sanctions secondaires. Quoi. Oui, tout à fait. Alors les sanctions secondaires, en fait, il y a beaucoup de confusion autour de ce que c'est qu'une sanction secondaire. Donc quand il y a une sanction secondaire, ce qui se passe, c'est que les États-Unis ne disent pas « vous n'avez pas le droit de faire du commerce avec l'Iran », et on parle vraiment de le dire à toutes les entreprises du monde. Ce que les États-Unis disent, c'est « si vous voulez faire du commerce avec l'Iran, vous n'avez plus le droit de faire du commerce avec les États-Unis ». Donc c'est pas un choix, en fait. Sébastien, qu'avez-vous lu dans la presse chinoise ce matin ? Alors à la une de l'actualité en Chine, cette opération main propre dans les entreprises chinoises de l'internet. Le magazine Caixin nous explique que plusieurs centaines d'employés des plus grands groupes chinois du secteur, vente en ligne, diffusion de films en streaming et jeux vidéo, ont été arrêtés pour corruption. Le journal Nikkei nous apprend qu'ils ont touché des pots de vin pour avoir revendu des informations sur certains clients et revendu des contenus. C'est bien la preuve que le secteur a besoin d'être repris en main, nous dit le quotidien du peuple, et on a
apprend dans le même temps, dans les colonnes du South China Morning Post, que l'État chinois a pris des participations dans la plupart de ces entreprises pour justement mieux les surveiller. Certains employés pris sur le fait ont été condamnés à 3 ans de prison, nous dit Sina, un magazine en ligne qui écrit que la corruption dans ce secteur a atteint un niveau, je cite, « choquant ». L'Afghanistan reçoit à nouveau de l'aide extérieure. Les talibans qui contrôlent le pays ont accepté que certaines ONG internationales reprennent leur activité avec du personnel féminin. C'est le cas notamment de CARE et Save the Children. Cet accord ne concerne pour l'heure que le domaine de la santé et de la nutrition. Dans les autres secteurs, les ONG ne peuvent plus employer de femmes. Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont imposé de sévères restrictions aux femmes afghanes, les écartant des emplois publics, leur interdisant de fréquenter les écoles secondaires et les universités, ou encore de se rendre dans les parcs. Des discussions sont en cours entre une délégation de l'ONU et le pouvoir en place. Le secrétaire général de l'organisation a dénoncé devant le Conseil de sécurité les attaques systématiques sans précédent contre les femmes et les filles afghanes qui créent, selon lui, un apartheid basé sur le genre. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, était à Ankara où il a rencontré son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu. Les deux ministres ont discuté de questions régionales et internationales, en particulier de la situation syrienne. Ankara a récemment lancé un processus de réconciliation avec Damas. En décembre, les ministres de la Défense et les chefs des renseignements des deux pays ont eu des entretiens à Moscou, la première réunion de ce type depuis 2011. Lors d'une conférence de presse conjointe à Ankara mardi, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné qu'il estimait que tout développement positif dans les relations entre Ankara et Damas profiterait à la région. Le ministre turc des Affaires étrangères a pour sa part souligné l'importance de la contribution de l'Iran à ce processus. Monsieur Cavusoglu a également déclaré qu'il rencontrerait le ministre syrien des Affaires étrangères lors de la prochaine étape de rapprochement. Le président syrien Bachar el-Assad a récemment annoncé qu'il ne pouvait y avoir de renormalisation des relations avant que la Turquie ne retire ses forces des territoires syriens ou elle a mené des opérations contre des militants kurdes qu'Ankara considère comme terroristes. L'Iran, la Turquie et la Russie ont servi de médiateurs dans le processus d'Astana qui vise à trouver une solution politique au conflit sévissant en Syrie. M. Cavusoglu avait plutôt annoncé que le président iranien pourrait visiter la Turquie dans un proche avenir. « 90 pays de l'ONU ont exprimé leur profonde inquiétude concernant les sanctions d'Israël contre l'autorité palestinienne. Des sanctions prises après le vote d'une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies le 30 décembre dernier. Elles demandaient à la Cour internationale de justice de La Haye de se pencher sur la légalité de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Cette nouvelle déclaration a été formulée ce lundi par le représentant palestinien à l'ONU. Nous exprimons notre profonde préoccupation face à la décision du gouvernement israélien d'imposer des mesures punitives contre le peuple palestinien, ses dirigeants et la société civile. Parmi les signataires, 27 pays européens dont la France et l'Allemagne, mais aussi des pays qui s'étaient abstenus ou avaient voté contre la résolution du 30 décembre. C'est important parce que cela montre que quelle que soit la façon dont les pays ont voté, ils sont unis dans le rejet des mesures punitives. Des actions qualifiées de terrorisme politique par l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan. Les Palestiniens profitent du mécanisme défectueux de l'ONU pour essayer de nuire à Israël. C'est une déclaration dénuée de sens et chaque pays qui l'a signée n'a fait qu'alimenter le feu de l'incitation et de la terreur des Palestiniens et a supprimé toute chance de réconciliation. La France et la Belgique ont également publié des déclarations réaffirmant leur attachement au droit international et au multilatéralisme. Le Conseil de sécurité tiendra une nouvelle audition sur le conflit israélo-palestinien mercredi matin. Nous partons maintenant pour Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parlent les journaux israéliens ? D'une vidéo qui provoque ici une forte émotion, moins d'une minute d'image, publiée par le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza et relayée par les journaux israéliens comme le Ma'ariv. À l'écran, un homme se présente comme Avera Mengistu, civil israélien prisonnier à Gaza depuis 2014.
Haaretz insiste sur le timing de cette publication. Rien d'anodin alors qu'un nouveau chef d'état-major entre en fonction. Le Hamas, classé terroriste par Israël et l'Union européenne, cherche à relancer des négociations en vue d'un accord d'échange de prisonniers. En Israël, souligne le Jérusalem Post, des voix s'élèvent déjà contre un accord similaire à celui de 2011. Un soldat franco-israélien avait alors été libéré contre plus d'un millier de prisonniers palestiniens. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'index mondial de la persécution des chrétiens vient d'être publié. C'est tous les ans la photo de la situation des chrétiens opprimés dans le monde à cause de leur foi. Ils sont 360 millions et depuis 30 ans, leur situation empire. Oui, c'est un palmarès de l'intolérance, un classement par pays en fonction du calvaire qui endure les chrétiens, tous les chrétiens. Autrefois, les orthodoxes fournissaient les gros bataillons de martyrs. Désormais, ce sont plutôt les protestants, les nouvelles communautés et les catholiques. L'index a 30 ans. Il a été imaginé après la chute du mur et depuis 30 ans, porte ouverte, une ONG internationale collecte, documente, analyse ce phénomène mondial. Ils sont 4000 à faire ce travail et leur rigueur impressionne. Quand je parle de martyrs, je pense bêtement au jeu du cirque, au premier chrétien livré aux fauves. Cette image pieuse renvoie à la longue mémoire de l'Europe judéo-chrétienne, mais le pire ne manque pas d'imagination. Le pire se renouvelle sur tous les continents. Non. Plus de 5000 chrétiens ont été tués l'an dernier, Vincent, et la plupart au Nigeria. 5621 précisément, ça fait 15 par jour, tous les jours, dimanche inclus. Leur nom est inscrit dans les cieux, pas forcément dans les journaux. En général, l'événement est traité à la rubrique des faits divers, c'est-à-dire qu'il est maltraité. Sans chercher, ce dimanche, une bombe dans une église au Congo, dans la région des Grands Lacs. Le kamikaze a fait 14 morts et une soixantaine de blessés. Lundi, le père Isaac est mort brûlé vif dans l'incendie de son presbytère. Ça, c'est au nord du Nigeria. Le Nigeria qui est champion du monde pour le meurtre des chrétiens est très loin. L'Europe est l'épicentre de cette violence. L'Afrique. Mais vous avez dit l'Europe, Vincent, mais c'est l'Afrique. Hein. L'Afrique, pardon, ouais. L'Afrique, évidemment. L'Afrique est l'épicentre de cette violence mondiale, mais on n'entend pas les indignés habituels, les pétitionnaires du Black Lives Matter. Peut-être que la vie des Noirs compte un peu moins quand ils sont chrétiens. Le premier intérêt de l'index de la persécution, c'est bien de prendre la mesure du fléau, de montrer l'évolution du phénomène. Pour résumer, la violence monte en Afrique, les chrétiens d'Orient continuent de fuir, et ceux d'Asie servent de bouc émissaire au régime autoritaire. Est-ce que le palmarès, ce triste palmarès, Vincent, change d'une année sur l'autre ? Bien sûr, l'Afghanistan était en tête de liste l'an dernier, il a régressé à la 9e place et pour cause, les chrétiens qui n'avaient pas fui les talibans ont été éradiqués. Le palmarès mélange les tyrannies qui écrasent la minorité, c'est le cas de la Corée du Nord, de l'Érythrée, de l'Iran, du Pakistan, des pays faillis où les infidèles sont abandonnés au couteau, comme la Somalie, le Yémen, la Libye, le nord du Nigeria, et puis des régimes qui attisent les passions antichrétiennes comme l'Inde ou le Soudan. Ce que dit aussi ce rapport, mais en creux, c'est le courage insensé de ceux qui tiennent bon. Les Iraniens, par exemple. Il faudrait raconter le racket qui ruine les chrétiens, harcelés par les tribunaux islamiques. Les vieilles églises assyriennes ou arméniennes sont peu à peu liquidées. Mais en même temps, les martyrs sont des témoins, des exemples, et en sourdine, ils font des conversions par milliers. Il y aurait 1 200 000 chrétiens, disciples du Christ, dans les catacombes de l'Iran. 1 200 000. Estimation basse, estimation haute, c'est 5 millions. Chiffre incroyable. Merci beaucoup Vincent Hervouet, 7h46. Ce n'est un secret pour personne que les dirigeants européens s'inquiètent au sujet de l'Inflation Reduction Act, un programme de subvention massive adopté par le gouvernement américain qui met en péril les investissements en Europe et pourrait pousser les entreprises à partir de l'autre côté de l'Atlantique. Au Forum économique mondial de Davos, la présidente de la Commission européenne a donc présenté des contre-mesures. Une nouvelle loi, baptisée Net Zero Industry Act, qui devrait simplifier les permis de nouveaux sites de production de technologies propres. Un instrument financier considéré comme nécessaire par la chef de l'exécutif européen. Pour éviter un effet de fragmentation sur le marché unique et soutenir la transition vers les technologies propres dans l'ensemble de l'Union, nous devons également augmenter le financement de l'Union européenne.
À moyen terme, nous préparons un fonds de souveraineté européenne dans le cadre de l'examen à mi-parcours de notre budget plus tard cette année. Mais un autre point menace la mise en place de cette loi, celui du déséquilibre dans la distribution des aides européennes, dont les règles ont déjà été assouplies en mars dernier. 6 pays, dont le Danemark, la Finlande, l'Irlande et la Pologne, exhortent la Commission à faire preuve d'une grande prudence à ce sujet. Selon eux, ces aides pourraient conduire à une course aux subventions et à une fragmentation du marché intérieur. Les aides seules ne peuvent pas aider tous les pays, mais seulement certains d'entre eux, comme par exemple l'Allemagne ou la France, qui ont plus d'espace et plus de possibilités. Donc, ce que nous considérons comme nécessaire en ce moment, et il faut l'adopter maintenant et pas plus tard, c'est un nouveau fonds de relance. En effet, certains États membres de l'Union européenne disposent d'une plus grande marge de manœuvre budgétaire que d'autres et peuvent donc subventionner leur propre secteur industriel. L'Allemagne et la France, par exemple, représentent 77% des 672 milliards d'euros d'aides d'État approuvées dans le cadre de l'actuelle subvention de crise. Et ces deux pays en demandent plus. L'hydrogène, les batteries électriques, les panneaux solaires, les semi-conducteurs doivent faire partie de cette liste de projets industriels stratégiques sur lesquels les aides d'État doivent être beaucoup plus massives. Elles doivent pouvoir prendre la forme de subventions, mais aussi de crédits d'impôt. La Commission européenne pourrait présenter des propositions concrètes d'ici la fin du mois pour alimenter la discussion lors du prochain Conseil européen en février. Alors, l'Europe semble décidée à résister aux États-Unis qui subventionnent massivement leurs entreprises. Oui, ce matin, je vous parle, Dimitri, d'un sujet qui est vraiment structurant pour notre continent. Est-ce que nous allons demeurer prospères? Est-ce que nous nous donnons les moyens de la puissance? Est-ce que nos enfants vont rester en Europe ou aller travailler en Amérique du Nord? On est entré dans un monde de violence géopolitique dans lequel l'économie est devenue la variable d'ajustement de la crise climatique, de la crise géopolitique, de la crise pandémique. Et ça, ça plaide pour de nouvelle stratégie économique. Alors la stratégie américaine, c'est ce qu'un économiste de Harvard, Danny Roderick, appelle la stratégie du productivisme. C'est une sorte d'économie de guerre. Il s'agit de concentrer des moyens publics et des moyens privés vers le réarmement industriel pour lutter contre la crise climatique, pour se protéger contre les chocs géopolitiques. Ouais. C'est la logique de l'IRA. Hein. Exactement, c'est la logique de l'Inflation Reduction Act dont on a beaucoup parlé. Aux 370 États-Unis, milliards de subventions publiques américaines. Qui est beaucoup plus un plan justement de réarmement industriel qu'un plan de réduction de l'inflation. En réalité. Alors comment va réagir l'Europe, puisque c'est le thème de votre chronique du jour? Mais bien, enfin sur le papier en tout cas, l'Europe semble avoir compris qu'elle est menacée par justement ce réarmement industriel américain qui pourrait se traduire par des délocalisations de l'Europe vers les États-Unis, et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne prévoit de mettre en place un fonds de 365 milliards d'euros. Alors c'est à peu près le montant d'ailleurs de l'Inflation Reduction Act, et un choc de simplification pour accorder des aides européennes aux entreprises. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'y comprend rien. Ursula von der Leyen devrait d'ailleurs en parler à Davos, qui se déroule en ce moment. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'aboutissement de cette réponse européenne? Écoutez, ce que ça montre en tout cas, c'est qu'il ne faut pas enterrer l'Union européenne et l'économie européenne en règle générale. Et d'ailleurs, les chiffres récents plaident plutôt pour ça. On a vu qu'on n'avait pas eu de récession en Allemagne fin 2022, quasiment 2% de croissance sur l'ensemble de l'année. La diversification gazière de l'Europe, elle est plutôt réussie. Total Energy en France va ouvrir la plus grande usine de biogaz. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas dans toute l'histoire de la zone euro. Bon, si on épouse cette stratégie productiviste, si on pousse la production, eh bien, ça passe. Si on pense en revanche que l'innovation c'est dangereux ou que travailler jusqu'à 64 ans c'est invraisemblable, alors nous risquons d'être colonisés par les Américains ou par les Chinois, c'est au foie. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. À demain. À demain, 7h23. Nouvelle révélation dans l'affaire du Qatar Gate. L'ex-député européen socialiste Pier Antonio Panzeri, accusé d'être au centre des affaires de corruption liées au Qatar et au Maroc, a signé un accord de repentance avec les autorités belges. En échange d'une peine allégée, il doit collaborer avec les enquêteurs. Selon le parquet fédéral, Panzeri doit dévoiler les informations sur le mode opératoire de l'organisation criminelle, les montages financiers et l'implication des personnes qu'il reconnaît avoir soudoyées. Selon plusieurs médias belges, il aurait donné 120 000 euros à l'eurodéputé socialiste Marc Tarabella. Une décision qui pourrait changer le cours de l'enquête, comme l'affirme le vice-président du Parlement européen.
La décision de Panzeri de coopérer avec les autorités belges pourrait ouvrir de nouvelles pistes et accélérer l'enquête sur cet énorme scandale de corruption. Espérons qu'il révélera plus de noms et que nous aurons bientôt plus d'informations. C'est la deuxième fois dans l'histoire judiciaire belge que ce genre de protocole de repentir est signé. La loi qui le permet, appelée Pentiti, fait référence à une loi italienne utilisée dans les enquêtes sur la mafia. Avec cette coopération, la peine de Panzeri sera réduite, mais il encourra toujours une autre sentence qui comprend l'emprisonnement, une amende et la confiscation de tous les biens acquis, actuellement estimés à 1 million d'euros. Une statue de la Vierge Marie doit être enlevée dans un délai de 6 mois, c'est la tribunal a décidé, et déplacée hors du domaine public. C'est la Libre Pensée, une association de défense de la laïcité, qui avait saisi la justice, comme elle l'a fait dans d'autres circonstances, pour réclamer ce retrait. Marc Hainaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Boulevard Voltaire et vous avez écrit un livre, effectivement, il n'y a pas si longtemps. Vous avez écrit « Qui en veut aux catholiques ?» aux éditions Arthège. Mais qui en veut à la Vierge Marie ? On veut quoi ? C'est au nom de quelle laïcité ? Parce que, juste une question, naïvement, donc à ce moment-là, il faut enlever tous les prie-dieu, tous les calvaires, les milliers, les dizaines de milliers de calvaires qui peuplent la France et la Navarre. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, écoutez, vous avez choisi d'introduire cette émission avec une très belle chanson de Georges Brassens. Moi, je voulais juste rajouter ce couplet par la mère apprenant que son fils est guéri et c'est la raison de la présence de cette statue de la Vierge. À la base, c'est une famille qui avait édifié cette statue dans son terrain en remerciement du fait que le père et le fils aient été épargnés par la Seconde Guerre mondiale. Donc, on en revient toujours au même drame, finalement. C'est que la libre-pensée s'attaque non seulement au patrimoine religieux, mais surtout au patrimoine historique, puisque ce que la libre-pensée ne comprend pas, et ce qu'elle doit comprendre, c'est que ce patrimoine catholique fait partie intégrante de notre histoire et de notre culture, en réalité. Oui. Et c'est bien ça, je pense, le drame. On voit cette libre-pensée qui a entendu parler en plus de ce calvaire parce qu'il avait été endommagé par un accident de la route, sinon il n'en aurait jamais entendu parler, ça ne lui aurait jamais posé le moindre problème. Et on les voit traquer ça et là, encombrer les tribunaux pour faire enlever ce patrimoine. Et c'est tout à fait scandaleux. Mais Emmanuel Macron, de toute façon, ce que peuvent penser les Français, il s'en contrefout. Il a une telle confiance en lui que de toute façon... Il réécrit tout, et même s'il y avait une immense mobilisation, il vous expliquerait oui, mais alors parce que lui, c'est toujours, il a la conception de la majorité très très particulière. Il va vous dire non, mais c'est pas tous les Français qui sont dans la rue. Ben évidemment, on va pas mettre 67 millions jamais de Français dans la rue. Il y a jamais 67. Il y a beaucoup de fonctions publiques. En 36, en 1936 non plus, il y avait pas tous les Français dehors en 36. Voilà. Donc et même je vais vous dire en 1789 non plus, il y avait pas tous les Français dehors. Mais bon, mais il y a une volonté au sein de l'exécutif. Et qui est fortement relayé auprès de médias amis, que tout ça va être enjambé. C'est-à-dire, oui, bien sûr, il y aura un petit obstacle, mais on va enjamber l'obstacle parce que nous, on est des courageux, on veut que la France rebondisse. Et puis, pourquoi les Français voudraient-ils renverser la table? Puisque la table, c'est celle sur laquelle M. Macron s'installe régulièrement pour faire des petits chèques. Pour faire des petits chèques aux petites gens et là-dessus, Monsieur Macron joue sur toutes les leviers des crises pour leur faire croire que regardez, c'est moi l'ordre et les autres c'est le désordre. La réalité c'est que le désordre c'est lui, que depuis qu'il a été élu en 2017, il n'y a eu que des crises. Alors on va nous dire oui c'est pas de sa faute le Covid, etc. Non, c'est pas lui qui a importé la crise de l'énergie. La question c'est la gestion des choses. On en reparlera. Le quoi qu'il en coûte pendant le Covid a été une grave erreur. Et d'ailleurs si aujourd'hui vous avez autant de défaillances d'entreprises, c'est uniquement le contre-coup de la débilité des PGE, etc. qui ont été. Donc il est trop confiant. Mais bien sûr lui-même déjà, il se pend tellement pour le centre du monde. Il a confiance en lui. Comment oui. voulez-vous? Ben, il a une telle confiance en lui. De toute façon, il pense que tout va s'ouvrir devant lui. C'est après, Moïse. Il croit que la mer Rouge s'ouvrira en permanence devant lui. Mathieu Barbara, moi je te confie. Des milliers de commerçants, d'artisans, d'indépendants, qui aujourd'hui. Non seulement ne savent plus où ils habitent, mais se demandent à quelle sauce on est en train de les manger.
Et un collectif, eh bien, qui existe depuis 2014, s'appelle Les Pendus, parce que ça ne date pas seulement de la guerre Russie-Ukraine et de ce qui se passe avec les tarifs d'électricité. Christophe Chira, bonjour. Bonjour monsieur, merci de nous accueillir. Écoutez, Christophe Chira, c'est très intéressant. On vous a déjà accueilli et toujours avec plaisir. Vous êtes restaurateur et vous êtes fondateur du collectif Les Pendus. Et justement, vous avez alerté sur la situation d'aujourd'hui. Et pour vous, vous restaurateurs, les artisans, les commerçants que vous avez autour de vous, comment est vécu ce qui se passe aujourd'hui? Et on parle beaucoup de la réforme de retraite, mais avant la réforme de retraite, il y a le quotidien d'aujourd'hui. Et vous le vivez comment? Oui, absolument. Alors nous sommes effectivement un collectif qui regroupe des indépendants, des commerçants, des artisans de tous les métiers. Donc on a une vision assez globale de la situation. Oui. Et beaucoup sont effectivement confrontés à une hausse faramineuse de leur facture d'électricité. On a vu énormément de boulangers dans les médias, mais les seuls boulangers ne sont pas concernés. Malheureusement, ça concerne aussi les restaurateurs, les traiteurs, les bouchers, les poissonniers, les pressings, les garagistes, les scieries, les menuisiers. Enfin bon, tous les corps de métiers sont touchés. Oui. Tout le monde a des factures incroyablement hautes. Et surtout, on a compris que c'était une hausse de prix totalement artificielle. Et pour ça, on n'est pas du tout disposé à subir, vous voyez, parce que ouais. On nous a fait un tas d'annonces récemment. Oui, on a dit qu'on allait vous restreindre vous allez diminuer de 40% ce que vous aurez à payer, etc., qu'on allait vous aider. Oui. Vous savez, on a fait l'expérience des effets d'annonce durant la période sanitaire, et là, on est exactement dans le même cas de figure. Donc, ouais. On nous fait des annonces qui n'en sont pas, qui ne sont que des mots, rien n'est écrit nulle part, et de toute façon, si c'était le cas, ça ne suffirait jamais, puisqu'on retourne au point de départ, au-delà des situations de multiplication par 10 ou par 20, ce qu'on a pu voir, mais globalement, c'était x3, x4, ouais. Et il faut savoir que le poste électricité chez les artisans, c'est un poste important, c'est un peu comme un loyer, donc si on dit à vos auditeurs, votre loyer va être multiplié par 4 à partir du mois prochain, ils ne vont effectivement pas comprendre. Mais nous, on en est là et on comprend qu'effectivement, la survie va être extrêmement difficile malgré les annonces qui ont été faites, qui n'en sont pas, encore une fois, ces gens nous mentent et il est temps qu'on les mette face à leurs responsabilités parce que ça ne peut plus durer, c'est impossible. Là c'est un tsunami qui... J'avais dit, l'exemple des boulangers, c'est la mer qui se retire avant le tsunami qui va nous tomber dessus à tous. Ouais. Et en fait, on en est là, quoi. En fait, vous dites, on ne peut pas continuer, enfin, on est les dizaines de milliers, ou peut-être plus de centaines de milliers de gens, on ne peut pas continuer comme ça, à se dire, on va dans un mur, on nous explose, et effectivement, des charges qui explosent, comme vous dites, enfin, 3 fois 4, et plus, et hélas, vous dites, on ne peut pas, de toute façon, c'est un jeu qu'on ne peut pas encore continuer à jouer de cette façon, il y va de notre survie, en fait, c'est ça. C'est absolument impossible, donc effectivement, ouais. Il y a cette manifestation de lundi prochain, le 23 janvier, où tous les métiers seront présents, et on invite aussi nos clients, les auditeurs qui sont nos clients, et qui viennent nous soutenir, parce que c'est aussi pour eux qu'on essaye de maintenir ce combat. Il va falloir qu'on installe un vrai rapport de force. Nous, il faut qu'on ait absolument l'accès au fameux bouclier tarifaire qui existe pour les particuliers et les très très petites entreprises. Voilà, c'est la seule condition qui pourrait nous permettre de nous en sortir, sachant que au mois de juillet, on va être confronté à la même chose avec le gaz. Enfin, si vous voulez, c'est sans fin. Donc il y a un moment où ça va être de gré ou de force. Il va falloir qu'on aille vraiment tordre le bras du gouvernement qui, encore une fois, nous impose les décisions qui ont été prises par nos dirigeants. Ils ont le choix de faire autrement. Ils ont le choix d'en sortir du marché européen. Enfin bon, donc ils nous l'imposent. Vous vous dites vraiment, Christophe Chira, vous pensez qu'il y a le choix de faire comme a fait notamment l'Espagne et le Portugal, ou en tout cas de quitter l'indexation sur le prix du gaz, etc. Vous vous dites l'alternative existe et on ne la prend pas. Exactement. S'ils l'ont fait ce choix-là, l'Espagne et le Portugal, c'est que tout le monde peut le faire. Donc nous, on choisit de pas le faire. Eh bien, nous, on dit que les dirigeants fassent leur choix politique, c'est une chose, on ne les discute pas, mais à ce moment-là, qu'ils en assument totalement les conséquences et qu'ils ne fassent pas reposer sur nos épaules et nos trésoreries les conséquences de ces décisions. C'est à eux de les assumer, c'est pas à nous, parce qu'ils ont justement le choix. Oui, mais alors, vous iriez jusqu'où, Christophe Chira, vous et les personnes qui sont avec vous dans ce collectif Les Pendus, et je crois que vous avez créé un syndicat qui va s'appeler Antigone aussi, si j'ai bien compris. Oui,
c'est ça. Oui, oui, absolument. On a créé cette structure justement parce qu'on sentait bien que la crise sanitaire allait se transformer en crise économique majeure, oui. Et de sorte qu'elle soit prête à fonctionner pour tous ceux qui vont se retrouver le bec dans l'eau et qui vont comprendre qu'ils ne sont finalement pas tant soutenus que ça par leur fédération, leur confédération, leur syndicat respectif, parce que là aussi, il y a une énorme escroquerie. Oui. Et c'est ce qu'on va aller. Bah, écoutez, vous savez, les gens, ils vont aller jusqu'à perdre leur vie et leur commerce. Donc, on va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, effectivement, notre revendication, elle est très simple, c'est le bouclier. Ce sera degré ou de force, c'est-à-dire qu'on se l'appliquera. Si on ne nous l'autorise pas, ben on le fera. Vous l'appliquerez vous-même. Vous ferez, oui. Il le faudra, puisque de toute façon, c'est encore une fois, c'est la fermeture des commerces qui en. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'autre alternative. C'est soit ça, soit on ferme. Ouais. Soit on gagne du temps. On va inonder, évidemment, de procédures de médiation auprès de la médiation de l'énergie du gouvernement et on verra bien si ça sert à quelque chose, ce truc-là. Et puis ensuite, on mettra tout le monde en procédure de sauvegarde. Voilà, et puis on verra bien, on va inonder les tribunaux de commerce aussi. Mais... Donc on va pas être hors la loi, vous voyez, on va faire les choses sérieuses. On va utiliser les armes qui sont à notre disposition, mais on ira jusqu'au bout pour protéger tous nos collègues. C'est quand même incroyable. On parle pas de tous ceux qui ont baissé le rideau depuis le mois de septembre déjà. Oui, et il y en a, et on sait qu'il y en a plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Enfin, mais oui, mais oui, c'est incroyable, c'est une hécatombe. Il faut que tout le monde ait conscience de ça. Cette manifestation de lundi du 23 janvier est quasiment inédite depuis celle qu'on avait faite en 2015 pour le RSI. On avait c'est la première fois depuis 2015, oui, pour du RSI. On rassemble tous les métiers comme ça, je pense que oui. Ouais. Et c'est significatif, c'est révélateur. On n'a pas l'habitude de faire ça. Donc si on fait ça, c'est qu'il y a une vraie raison. Et qu'on nous entende. Oui, et Christophe Chira, dites-moi, est-ce que les gens, enfin, les gens que vous rencontrez, avec qui vous parlez, etc., ils ont vraiment la prise de conscience qu'aujourd'hui, c'est marche ou crève, quoi. Je veux dire, on ne peut pas... C'est vraiment ça, la prise de conscience est là, en disant, on ne peut pas continuer en mettant des cotères sur une jambe de bois en vidant l'océan avec la petite cuillère, quoi. Ah mais c'est encore pire que ça, c'est avec ce que propose le gouvernement, c'est crève. C'est crève dans 2 mois ou dans 3 mois ou au mieux dans 6 mois. Donc évidemment que c'est intolérable. Personne n'est dupe. Hein. Vous savez, tout le monde a fait ses petits calculs. Au début, les annonces ont été un petit peu étudiées. Tout le monde s'est dit, bah tiens, ça avance. Et puis finalement, tout le monde s'est rendu compte que ça n'avance pas du tout. Qu'il y a en plus absolument rien d'écrit et que c'est de la fumée. On nous a servi de la fumée. Il faut que tout le monde en ait bien conscience. Il n'y a rien derrière à part des mensonges. Encore une fois, j'y reviens, c'est incroyable de pouvoir mentir aux gens de cette manière-là, aussi effrontément, alors même qu'on nous dit qu'on est aux côtés des entreprises alors qu'on compte les cadavres tous les jours. Ouais, ouais. Et en plus, on nous propose de la fumée. C'est un manque de respect invraisemblable. Vous savez, Christophe Chira, nous avons fait entendre quand Olivia Grégoire avait dit qu'elle avait parlé avec une boulangère de Sarlat, qu'elle avait réglé son problème. Nous avons eu cette boulangère de Sarlat qui a dit mais pas du tout. Je n'ai eu aucun coup de téléphone et c'est elle qui a appelé un des directeurs de cabinet. Et voilà. Mais oui, mais tout le monde a compris. Effectivement, tout le monde a bien compris qu'ils ne sont que dans la communication et les effets d'annonce. Ils prennent d'ailleurs même plus de précautions. La preuve, c'est qu'ils mentent sans trop prendre de précautions, de se dire si ça va être révélé ou pas révélé. Ils s'en foutent totalement. Ils ont des choses à dérouler. Ils ont les pieds et les mains liés par l'Europe. Et ça, c'est pas notre problème. On fait pas de politique. Mais encore une fois, il va falloir qu'ils assument leurs décisions et leurs comportements. Merci Christophe Chirac. Rendez-vous le 23 janvier, effectivement. Absolument. Et on vous suit, en tout cas. Merci. Est-ce qu'on vous verra sur le pavé jeudi entre République et Nation ? J'irai symboliquement saluer les adhérentes de Debout la France qui vont manifester. Vous manifestez ? Je ne manifesterai pas, je ne ferai pas le cortège parce que je ne suis pas là pour gêner les syndicats, c'est un mouvement syndical. Mais moi j'irai en tant que citoyen, si je puis dire, symboliquement, parce que je pense et j'appelle tous les Français, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur couleur politique, qui sont indignés par cette réforme, oui, à pacifiquement, calmement, montrer au gouvernement qu'il y a une grande force populaire pour dire stop. On ne peut pas continuer dans un tel mensonge. Et je crois qu'il est très important qu'il y ait la plus forte mobilisation, et puis bien sûr le travail parlementaire, et puis un projet de référendum que je dépose demain à l'Assemblée, vous savez, d'initiative partagée, s'il y a 185 députés ou sénateurs qui le signent, 4 700 000 signatures, 10% du corps électoral, eh bien on peut forcer le gouvernement à consulter les Français. Personne n'y est arrivé jusqu'à présent. Eh bien oui, mais là on peut y arriver. Vous êtes à combien de parlementaires pour l'instant ? On vient de le lancer. Alors, il y en a déjà une quinzaine qui vont signer, mais je n'exclus pas. Vous savez, s'il y avait un référendum,
bien la réforme serait bloquée parce que les Français que sont majoritairement hostiles. Que Fabien Roussel souhaite aussi, par exemple. Eh bien, c'est très bien. Et que toutes les forces politiques mettent un peu de côté leurs égaux et qu'on ait ces 185 parlementaires. Et puis après, ce sera aux Français de se mobiliser. Parce que je crains qu'à l'Assemblée nationale, ça suffise pas. Et je crains que les manifestations aient le danger de bloquer le pays. Une belle manifestation où il y a beaucoup de monde, oui. Mais après, il faut une issue politique. Alors, le travail, c'est dur, c'est pas dur, évidemment, ça dépend des travaux, ça dépend des occupations, ça dépend des statuts de chacun. Généraliser sur une date, un âge, ne veut rien dire. Tout dépend de ce que font les personnes, pas seulement sur la pénibilité, pas seulement sur le télétravail, pas seulement sur le transport. Encore une fois, ériger des lois pour tout le monde en même temps que pour le milliardaire et pour le pauvre n'a aucun sens. Évidemment, il faudrait faire comme les impôts de ce point de vue-là. Mais heureusement, nous avons Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, comme vous le savez, intervient très souvent dans les médias et à chaque fois, c'est pour notre plus grand bonheur, je dois dire, parce que c'est vrai, ces phrases sont tellement frappées au coin du bon sens, de la lucidité, de la mise en perspective et du, je dirais, du mot juste que voilà, ça fait notre bonheur. Et notamment, Sandrine Rousseau a parlé là très récemment sur les ondes et on l'a interrogée sur le travail. Et voici ce qu'elle a déclaré. Écoutez. Et il y a quelques mais mois, bien sûr que vous le aviez fait réagir en disant « Moi, je revendique le droit à la paresse. » Est-ce que c'est encore ce que vous dites aujourd'hui? Mais tout à fait, parce que c'est profondément écologique et parce que c'est profondément social. Pourquoi écologique? Parce que il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Et qu'en fait, la réduction du temps de travail est une mesure écologique. Et c'est aujourd'hui que ça se joue, la question écologique. On a une urgence écologique. Alors, on a une urgence écologique. On a une urgence écologique. Alors ça, je vais vous dire, c'est la révélation scientifique du siècle. Travailler provoque une éruption de carbone. Plus on travaille, plus on émet du carbone. Donc plus on pollue, plus le CO2 se répand. Moi, je croyais que c'était soit le pet des vaches, soit un certain nombre de choses qui faisaient effectivement l'éruption du CO2. Pas du tout. Travailler, c'est émettre du carbone, c'est donc polluer. Qu'est-ce qui va se faire de ce point de vue-là? Eh bien, Sandrine Rousseau nous donne la réponse. Auditeur du Sud Radio, nous on a décidé, voilà, on va lever le pied. Je vais parler très lentement, je vais essayer de faire un peu moins d'émissions, je vais essayer de faire 10 minutes au lieu de 1h30. Oui, parce que je sais, en vous parlant comme ça, je suis désolé. Selon Sandrine Rousseau, j'émets du carbone. Vous imaginez, je suis en train de polluer la Terre. Et pas seulement moi, Lucien Gasparac en train de s'agiter avec du papier, Thibault Sadler en train de pianoter avec sa machine. Tout Sud Radio émet un carbone de folie. On est en train de polluer, vous toutes, auditeurs, auditrices de Sud Radio. Vous imaginez, quand vous allez au travail, vous émettez du carbone. Alors il faut diminuer. Alors Sandrine Rousseau dit, allez, on va faire quoi, 32 heures, 4 jours. Mais non, Sandrine. Encore un effort, Sandrine Rousseau, pour devenir vraiment républicaine dépolluée. 2 jours, 1 jour. Allez, on travaille lundi. Allez, ou mardi. Voilà ce qui se passe au pays des grands porte-parole de l'écologie combattante, combative et combattue.